Ah, ça fait du bien de respirer de l'air pur. Je viens de finir ma tournée de conférence. Là, je suis en montagne dans les Pyrénées pour me ressourcer. Et j'ai envie de profiter de ce cadre pour partager avec vous les leçons de l'été 2023. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Dans ce format de bilan du game que je fais de temps en temps, je partage un petit peu l'actualité, les mises à jour. Souvent, ça peut être trimestriel ou semestriel, mais là, c'est assez particulier. Il y a exactement un an, j'étais sorti de l'hôpital, j'avais chopé le virus à la mode, j'avais la santé qui était vraiment au niveau, pas zéro, mais j'étais pas bien au niveau de la santé physique et également mentale, et aussi et surtout, j'avais gâché tous les projets que j'avais prévus. Cette année, la santé, ça va et c'est le plus important, et aussi et surtout, j'ai sorti un nouveau livre et j'ai fait une tournée de conférences, je vais vous en parler. Quelles sont les leçons à en tirer? Comment aussi rebondir? Comment remonter quand après un an, ça se passe pas comme prévu, qu'on perd la santé et pas mal de choses autour? Comment on se relance et comment on arrive aujourd'hui à pouvoir retrouver cette énergie, à accomplir de nouveaux projets? Surtout que vous savez que dans la vie, c'est facile quand tout va bien, mais quand le challenge arrive, comment on gère? C'est ce que je vais partager avec vous dans ce bilan du game, un format plutôt cool, vraiment détente, sans beaucoup de montage, dans lequel j'explique un petit peu ce qui s'est passé les derniers mois et qu'est-ce que vous pouvez appliquer vous dans vos projets et dans votre vie. Et c'est vrai que là, cet été, le point de focus principal était la sortie du livre Flowtasking, mais également la préparation de la tournée. Comment on prépare une tournée de conférence? Comment ça s'est passé? Et quelle va être la suite? Je vous dis tout. Déjà, juste avant de commencer, comme chaque trimestre, si vous voulez faire votre bilan, ça veut dire prendre du recul, faire une introspection et clarifier vos objectifs pour la suite, savoir où mettre le focus dans les différents domaines de votre vie et également pour les affaires, vous avez un lien en dessous, j'ai réouvert Clarity et c'est un format exclusif dans lequel c'est un programme qui est guidé. Et c'est pas une formation, c'est vraiment un programme guidé dans lequel je vous montre comment mettre en place différentes étapes pour pouvoir développer vos projets. Donc oui, on est en nature, donc forcément, il y a des corbeaux autour de moi. Mais aussi et surtout, ce que vous devez comprendre, c'est que Clarity vous aide vraiment à prendre ce recul nécessaire. Parce qu'on me demande souvent, ok, où mettre le focus, comment organiser mon temps, mes projets. J'explique tout dans Clarity, vous avez le lien en dessous. Profitez et chaque équinoxe et solstice, je vous propose les accès pour pouvoir faire le point. Après, vous le gardez pour les prochains trimestres, semestres. Et vous allez savoir comment fixer les objectifs, clarifier, planifier, comment également tenir les bonnes habitudes et plein de questions d'introspection ultra puissantes. Allez voir, c'est en descriptif et je le propose justement souvent avec ces bilans. Donc, le gros point de focus, je l'ai dit, durant cet été, ça a été de vous rencontrer. Quand j'ai décidé de refaire une tournée de conférences exactement comme je l'avais fait, c'était en 2018, j'avais fait la tournée Game Entrepreneur, au lancement de Game Entrepreneur, lancement de Flowtasking, on repart en tournée de conférences. C'est un petit peu, on va dire, le rythme que je me mets et l'envie que j'ai. Et cette tournée, l'intention était très très forte d'être présent. Et c'est d'ailleurs pour ça que durant cette tournée, j'ai très très peu partagé sur les réseaux sociaux. J'ai pas été ultra actif. Pourquoi? Parce que je voulais être présent dans la tournée, dans les déplacements avec les participants. Donc j'ai proposé une conférence de 2 heures qui était une conférence assez dense, mais dans laquelle j'ai abordé vraiment une partie de mon parcours dont j'avais parlé avant. Alors je sais que beaucoup d'entre vous me demandent cette conférence, est-ce que je vais pouvoir la proposer en ligne, le replay et tout. J'ai décidé que non. La raison, c'est que je voulais la garder vraiment exclusive. Je voulais la garder pour ceux qui étaient là. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose de plus intimiste, plus personnel, parce que j'ai partagé des échecs, des difficultés, mais aussi des réussites. Et c'était vraiment une conférence de la présence. C'était on était ensemble. Il y a eu plusieurs villes, il y a eu des petits, des grands comités, mais peu importe, j'étais présent avec les participants. Ça fait tellement d'années. On fait parfois des événements par-ci par-là, mais on a du mal un petit peu à se retrouver, à être là. On a été beaucoup dispersés, on a été aussi beaucoup sur des Zooms, des visioconférences. Et au bout d'un moment, être présent dans la vraie vie, ça fait une vraie différence. Donc c'était vraiment mon intention, être présent avec les gens et aller à votre rencontre. Alors oui, j'ai fait moins de villes que la première, mais c'était aussi une question de logistique, de timing, parce que je suis engagé sur d'autres projet après, mais en tout cas c'était une belle occasion de se rencontrer. Merci à ceux qui étaient là. Et pour les autres, si vous voulez être au courant de mes futurs et prochains événements, le mieux c'est d'aller en descriptif et de vous inscrire en liste d'attente de mes prochains événements. Et dès que je fais un événement, ça peut être une conférence, un séminaire, une immersion dans une ville, vous êtes prévenu. Donc inscrivez-vous si vous voulez être prioritaire. Et généralement je communique, mais bon, si vous voulez vraiment pas manquer les prochains événements, c'est le meilleur endroit pour pouvoir être au courant. Dans ces bilans, il est important pour moi de parler des principaux challenge, ça peut être les choses que j'ai dû affronter, ça peut être des difficultés, ça peut être des problèmes que j'ai rencontrés. Et cet été, je vais être honnête avec vous, j'ai pas rencontré de principaux challenges. Ça a été extrêmement fluide, à part un dont je vous en parle dans quelques instants qui concerne un petit peu ce qui s'était passé l'année d'avant. Mais
C'est vrai que cette tournée, cette préparation, cette organisation, tout a été fluide. Les inscriptions, trouver les salles, les différents transports. J'ai pris plusieurs fois le train et après je suis rentré en avion de Bruxelles pour prendre la voiture pour aller à Toulouse. Tout a été fluide, pas de retard, pas d'annulation, les hôtels, les salles, tout a été fluide. Parce que oui, ben en gros merci déjà à Anaïs, mon assistante, qui a aussi fait en sorte de gérer l'organisation derrière. Il y a également Cécile qui m'a accompagné dans différentes villes, qui a pu faire le check-in avec vous, proposer les livres, etc. Qui a pris aussi quelques photos. J'ai également aussi mon équipe qui a été là en fait. Et ça aide parce que tout seul, c'est compliqué d'organiser. Donc là, je suis très heureux d'avoir eu ces personnes qui ont fait en sorte que ça se passe bien. De même que les prestataires, les salles, les lieux que j'ai réservés, les personnes sur place ont bien fait leur travail. Donc ça a été génial, il n'y a pas eu de soucis. Le seul truc qui m'a un petit peu frustré, mais ça me concerne moi et pas du tout l'environnement ou l'extérieur ou les personnes, c'est à Paris, comme il y avait plus de monde, j'ai peut-être pas eu assez le temps de passer du temps vraiment justement avec les gens et de profiter. Que c'est vrai, c'est Paris, certains devaient prendre le train, le métro, moi aussi, comme il y avait plus de monde, il y avait plus de monde qui passait pour les dédicaces et tout, et ce qui fait que j'ai pas pu autant échanger que dans les villes, on a des plus petits comités. Donc ça, c'est plus moi, parce qu'il y avait des gens avec qui j'avais envie de parler et tout, on n'a pas trop eu l'occasion, donc voilà, je suis un petit peu désolé, mais c'est vrai, on fait au mieux. Mais c'est vraiment le seul petit point où je dis, ah, j'aurais aimé avoir plus de temps pour profiter des gens à ce moment-là, parce que comme je dis, j'ai beau être introverti et j'ai beau avoir besoin aussi de ma bulle, quand je suis avec les gens, je suis à fond. J'aime pas être tout le temps, quand je parle avec quelqu'un, j'aime être avec la personne, j'aime pas me disperser, j'aime pas si quelqu'un d'autre vient me parler, j'ai d'attendre et après je serai avec la personne à 100%. C'est une de mes valeurs et c'est important, surtout dans un monde où on perd un petit peu le sens de l'engagement, des relations. Donc voilà, c'était un point dont je voulais parler. C'est vraiment le seul petit truc qui m'a un petit peu frustré. Après, en termes de challenge qui a été très personnel pour moi l'été, c'est juste la peur de reproduire ce qui s'est passé en 2022. Parce que forcément, comme j'ai été hospitalisé, comme j'ai eu je suis tombé malade, comme tous les projets ont été retardés ou sont tombés à l'eau, j'avais peur de me dire « Ah là là, cet été, ça se repasse pareil. » Donc, il y a ce truc un peu, vous savez, l'ancrage. Quand quelque chose de négatif arrive et vous challenge comme ça, on a peur que ça se reproduise et qu'on refasse un tour de manège. Mais d'un autre côté, et c'est une belle leçon, je suis plus le même. J'ai acquis de l'expérience, j'ai appris des leçons. La santé, ça va, ça vient, mais quand on fait en sorte de récupérer, on remonte. Je vais donner des petites astuces hein, justement pour vous relancer quand on tombe, comme je suis tombé moi au niveau de la santé. Mais aussi et surtout, je me suis rendu compte que voilà, une fois qu'on passe cette peur, on avance. Parce que c'est ok d'avoir peur, c'est ok d'être un petit peu anxieux, parce que j'en ai beaucoup parlé dans la conférence pour ceux qui étaient là. J'ai partagé vraiment les vrais challenges de fond, notamment liés à l'anxiété, parfois même carrément à la dépression, et des challenges comment quand on les affronte, on arrive à les surmonter et comment on le vit réellement. Et c'est des choses qui sont un peu taboues, mais moi, dans cette conférence, j'avais pas de tabou. Autant on parle des réussites, des succès et peut-être un petit peu ce qu'il y a derrière pour le provoquer, mais autant quand ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que là, je me suis rendu compte que j'avais des peurs cet été et je suis honnête avec vous, j'avais peur. J'avais peur que ça se repasse pareil, que je me retrouve encore à l'hôpital ou que les projets tombent à l'eau. Et c'est passé. C'est passé, j'ai fait mon sport, je me suis remis en discipline, j'ai planifié la date de la tournée, je me suis focalisé dessus et tout s'est bien passé. Alors oui, là je suis un tout petit peu malade mais ça va, mais c'est aussi l'enchaînement, le changement de température et tout. Donc là depuis que je suis à la montagne avec l'oxygène et tout, ça fait du bien. Mais je vous avoue que là j'étais à tourner parce que vous voyez que j'ai un peu l'air fatigué, mais c'est parce que j'étais un petit peu malade hier, j'étais un petit peu enrhumé, mais ça va mieux et c'est cool. Voilà, mais ça arrive et c'est ok avec la fatigue et tout, mais on se remet en selle, on remonte et on reprend. Donc, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que oui, je pense qu'il y a des fois dans la vie, tout doit se faire au bon moment. Je suis du genre à être frustré, à être impatient, à me dire « c'est maintenant, j'ai envie ». Mais là, la sortie du livre, la préparation des conférences, la tournée, au niveau du business, on a eu des nouveaux clients, ça s'est bien passé. C'était fluide et c'était le bon moment. Mais après, cette fluidité, je pense qu'on peut aussi la provoquer. Et si je peux vous donner des conseils sur ce qui fait vraiment la différence quand on tombe comme ça et que ça se passe mal, j'en ai beaucoup parlé dans les autres bilans. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé en 2022, j'aime pas y revenir, mais il faut prendre en compte le contexte pour savoir pourquoi et dans quel état d'esprit on fait les choses. Mais à ce moment-là, ce qui a vraiment fait une différence, moi, ça a été de me connecter plus à l'intention et de me dire, quitte à ne pas contrôler le futur et qu'on puisse avoir des challenges, je peux par contre me concentrer sur les petites étapes. Et j'ai vraiment eu cet état d'esprit, win the day comme on dit. Tu réussis ta journée et la journée suivante et la journée suivante. Et c'est une discipline qui peut paraître court-termiste, mais c'est basé sur les habitudes et les routines. C'est ok, au niveau du sport, tu veux retrouver ton cardio, vas-y, reprends au fur et à mesure. J'ai mis vraiment plus de 6 mois à retrouver une condition normale de sport et 9 mois pour retrouver ma condition physique d'avant.
Donc du coup, bah oui, reprendre le sport, accepter qu'on n'est pas au top, vaincre aussi ses peurs de réavoir mal, de se reblesser, d'avoir un souci. Donc tout ça, hein, quand on revient de blessure, entre guillemets, bah ça fait partie aussi du game. Et pareil, au niveau du business et tout, même si ça a bien tenu en 2022 malgré les tempêtes et tout, bah là j'étais en mode, ok, bon, on reste agile, le marché, s'il bouge comme ça, on s'adapte. Si je prévois une tournée, comment on s'organise? Bref, j'ai vraiment développé cette agilité qui fait que mon but est d'y aller mois par mois, trimestre après trimestre, sans trop vouloir faire des trucs. En ce moment, je suis pas dans un état d'esprit de grosse vision ultra ambitieuse et tout. J'ai de l'ambition certes, mais je suis plus dans une vision agile et le flow. Parce que après avoir vécu des prises de risques et des difficultés, on a plus envie de se dire, ok, là, je me reconcentre sur l'essentiel et ça qui provoque les belles choses. Et quand je vous dis que tout est fluide, toutes les fois cette année où j'ai suivi mon plan, mon intuition, parfois même quand je doutais, je me dis, bon, on fait ça, mais je sais que ça va prendre du temps, il fallait faire l'arrêt de patient. Ben, on le fait et ça a mené toujours au bon endroit. Et pour ça, moi, je suis très heureux et ça montre, et je lis dans la conférence, que parfois, quand on n'est pas très au clair sur la direction à prendre ou quand on a vécu un petit peu des montagnes russes et qu'on a un petit peu peur de se relancer, juste se faire confiance sur l'essentiel, sur de quoi on a vraiment envie, sur nos intentions et reconnecter ça dans notre carrière, dans nos business, dans notre vie. Et les choses, quand on se fait confiance et quand on fait les choses avec la, quand tout est clair, avec la bonne intention, ben, ça se met en place et on avance. Et c'est ça qui est vraiment beau, je trouve. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire ce bilan qui est beaucoup plus positif que les bilans de l'année dernière. Donc voilà, on dit beaucoup, hein, quand ça va pas, mais c'est bien de dire aussi quand ça va et quand c'est fluide, et ça a été fluide et ça allait super bien. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Et comme je vous ai dit, vraiment, le point derrière ça, c'est que on tombe, mais on se relève, on continue. Et si je peux partager ça aussi avec vous, vous m'avez vu peut-être, hein, j'ai partagé en étant transparent, tomber en 2022 sur la santé physique et mentale. Bah, là, on se relance, on continue, on avance, c'est la vie. Et c'est ça qui est magique. Et c'est vrai que la différence, et c'est là où on voit l'effet levier, c'est que j'ai beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de capacité à gérer peur, anxiété, incertitude, difficulté, à mieux être préparé, à mieux m'anticiper, à être plus patient, être plus agile, à moins mettre dans des états quand ça se passe pas comme prévu. Parce que je pense que dans la tournée, je suis peut-être pas rendu compte, il y a des fois où on a eu des petits challenges comme ça, plus au niveau de la technique ou autre, ben, on panique pas, on gère et on avance et c'est ok. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et j'espère que ça pourra vous aider aussi à comprendre ce concept de base autour du flow. D'ailleurs, si vous l'avez pas, bah, je vous recommande très fortement de prendre mon livre Flow Tasking, commandez-le. Et puis aussi et surtout, bah, moi je serais très heureux de vous retrouver par la suite pour pouvoir partager avec vous un maximum de conseils et on continue le game, on avance ensemble. C'est quoi la suite? Alors la suite, je pense que pour la fin d'année, ça va être des événements mais différents, pas des conférences. Ça va être, je vais voir si je peux, c'est pas encore prévu, mais on est en train de travailler avec l'équipe là. Comme je vous dis, là je me suis reculé en montagne pour préparer le dernier trimestre de l'année 2023. Donc là, on va voir pour mettre une date d'immersion, d'événement qui va être peut-être un séminaire immersif pour pouvoir bosser en profondeur, en petits groupes. Donc je sais pas s'il y aura une ou deux dates, ça peut-être arriver en novembre, début décembre. Et je serai aussi intervenant à Genève lors d'un un événement qui se passe donc à Genève en Suisse, la conférence des créateurs, et il y aura d'autres intervenants. Je vais intervenir sur la partie comment réussir à sortir de l'ombre, qu'on est atypique, qu'on rentre pas dans les cases, qu'on a du mal avec beaucoup d'injonctions, beaucoup de il faut dans le marketing, comment vraiment être libre et trouver sa place tout en développant un business qui a du sens. Donc ce sera une conférence exclusive, venez en Suisse, c'est pas moi qui organise mais c'est un super groupe qui s'est lancé. Donc je vous mettrai les infos en descriptif et d'ailleurs comme j'ai dit, si vous voulez les prochains événements, on a listé pour vous et ça va être un petit peu la suite. Et après je réserve quelques surprises et je ferai peut-être beaucoup plus de live, donc notamment en ligne, parce que j'ai envie d'être dans le live, dans le présent. Donc ne manquez pas ça. De toute façon, vous vous abonnez à la newsletter, aux events, et vous serez au courant et vous ne pourrez rien manquer. Donc suivez-moi sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Vous avez la newsletter et vous avez également le canal Telegram en cas de problème technique où je peux communiquer assez régulièrement. Tout est en dessous. Moi, je vous souhaite plein de succès. Prenez soin de vous et puis faisons cette transition vers l'automne sereinement. Je vous avoue, hein, l'automne, c'est un peu ma saison préférée. Je sais pas pourquoi. Moi, j'adore l'automne. J'adore le milieu du printemps.
J'adore le mois d'avril, mai, mais vraiment l'automne, c'est un mois, je sais pas, j'aime beaucoup quand les feuilles commencent à tomber, les couleurs, tout ça. Là encore, autour de moi, on sent vraiment de l'été, on est passé de l'été à l'hiver, c'est trop bizarre. Mais je sais pas pour vous, votre saison préférée, moi j'ai du mal avec l'été, je vous avoue, j'ai toujours eu du mal avec l'été, mais l'automne, c'est ma saison préférée. Donc là, c'est pour ça que je suis un peu excité, je suis content parce que quand j'ai passé l'été, qui est souvent un petit peu challenging pour moi et que ça s'est bien passé, je me dis, bah c'est bon. On rentre dans le money time, l'automne, et let's go, on y va, on avance. Donc, je vous souhaite plein de succès, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.